les songes des mortels m'ont porté à la vie. Je n'existais pas. Je n'existais pas. Comme les héros. Comme les songes. Comme les dieux. Comme les spectres. Comme les empires au-delà de la mort. Pourtant, de mon inexistence, je les tourmente. Je suis l'orgueil. J'existe. De ma noirceur, je tourmente les mortels. Je trouble leur perception. Je nourris leur démence. D'où provient ma puissance? Il est dans l'essence de l'existence de se poursuivre. Cette perpétuation exige l'illusion de sa propre importance. Cet ermite, abrité sous les nuages, s'approche de l'illumination. Cependant, elle se glorifie de sa sagesse. Cette vantardise l'écarte de la voie. La mort nous offrira ces néants que tous nos efforts ne peuvent conquérir. Je ne crains pas le trépas. Je l'attends. Que signifie ce parapluie? Voilà mieux. Quand je ne sais pas quoi penser, je brandis ce parapluie. C'est une protection contre les préjugés. Je subodore qu'il fonctionne. Mais peut-être n'est-ce qu'une prévention. J'aimerais que les mortels comprissent que je n'existe pas. Qu'ils me laissent revenir à la douceur du néant, à la perfection du vide. Or, les mortels ne savent pas se contenter de la matière. Il leur faut une nourriture plus substantielle, mais plus immatérielle. Les songes. Les mortels dévorent les songes, et les songes dévorent les mortels. Cette maladie leur vint avec le langage. Ils ne guériront qu'avec la mort.